Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo 100% gameplay découverte sur Age of Empires 4, la version test, super, on va tester ça, super technical stress test, c'est comme ça qu'il l'appelle, donc un accès gratuit qu'on peut avoir sur l'Epic et sur Steam. Donc du coup là je vais lancer une partie en coopération avec trois joueurs que je ne connais pas, et contre du coup trois bots en mode intermédiaire. Donc je rappelle le principe d'une vidéo 100% gameplay découverte, c'est qu'il n'y a pas de cut. Il n'y a qu'un seul rush en fait, donc du coup c'est vraiment pour vous montrer une partie qui est totalement pour montrer le gameplay en fait, hein, voilà. J'aime bien faire ce genre de concept sur la chaîne de YouTube parce que ça ne me demande pas de montage vidéo. Ouais. Voilà, et puis que j'aime bien faire ça aussi, tout simplement. Donc, Age of Empires 4 qui va sortir en octobre 2021. Que moi j'ai joué à l'époque, donc ça a bercé mon enfance à l'époque, donc avec le premier et le deuxième opus, hein, dans les années 90. Et j'ai pas joué au 3. Après, je suis pas un grand fan des STR. Enfin, j'aime bien, si, j'adore les STR, mais je suis pas fort. Je suis nul même. Et j'aime bien prendre mon temps et faire les choses différemment que le chemin pour gagner. Donc, du coup, ouais, très mauvais. Mais bon, ça fait toujours plaisir de savoir que les anciennes licences continuent à faire des jeux. D'autres devraient s'arrêter, mais eux continuent et je les félicite. Donc du coup là on est en plein mode chargement, donc on va être sur une map donc 4 contre 4. Et hier j'ai réussi à gagner une partie à 2 contre 1 en coop, donc j'étais tout seul parce que mon mate avait pas géré du tout, il avait rage quit. Donc ouais. On va voir un peu. D'habitude je prends les Chinois, là j'ai pris la dynastie des Abbassides, je sais pas ce que c'est, on y verra bien. Donc il y a les Romains et les Anglais. En face on a des Chinois, Anglais, Abbassides deux fois. C'est moi qui suis le dernier à charger pour une fois. Donc, alors, moi ce qu'on m'a dit, c'est Thomas, fais des villageois, ne t'arrête jamais. Donc là, on est tous alignés. Plutôt cool. On est tous AFK, c'est plutôt moins cool. Voilà. Oh, les moutons. Donc là, on va envoyer là-bas lui. Du bois. Donc là, je vais vraiment fabriquer que des villageois en fait. Hein. Je vais vraiment aller très loin. Mon but, c'est de leur faire venir eux là. À côté de lui. Okay. Vraiment beaucoup de nourriture en fait. Hein. Alors on va le refaire revenir là. Du monde ici. On va taper encore dans. Voilà. Continuer là, toujours. Je vais observer un peu ce qu'ils font parce que c'est vrai que. Un peu, c'est. En fait, quand tu débutes le jeu, le mode intermédiaire, moi, les deux premières parties, je me suis fait éclater. Et en fait, ils t'envoient des armées directes, en fait. Et le but, c'est de survivre au moins à la première. À la première vague d'assaut. Il y en a d'autres là. Ok, nice. Ah, on va continuer à faire envoyer là-bas. Ah, la nourriture, plus de nourriture. Allez. Voilà. Tac. Vraiment fabriquer encore plus de villageois. Faut pas s'arrêter hein, de toute façon. Qu'est-ce que c'est ça?
Du bois. J'ai pas eu tout ce que c'est. C'est la première fois que je pense personnage là, enfin cette tribu. Alors, on va fabriquer ça. Ok, donc là déjà, je sais que j'ai repéré une relique. Et qu'il y a deux lieux sacrés à capturer en fait. En fait, si on arrive à avoir les deux, on a gagné. Il y en a un qui est à côté de chez moi déjà. C'est quoi ça? Il y a une maison de sagesse. Il y a n'importe quelle aile, ok. D'accord, ok. Par contre, en termes de forêt, j'aimerais bien avoir une forêt plus safe. Je fabrique déjà ma petite base hein, parce que. Alors moi je joue pas avec les raccourcis, hein. Je suis pas assez expert pour ça. De l'or, après faut continuer à farmer. Villageois, on en a jamais assez de villageois et on va aller farmer un peu d'or. Alors, j'ai enlevé les voies, il y a beaucoup de choses que j'ai modifiées. Hein. Je vais leur dire bonjour, les sauvages. Je trouve que les maps sont. Ils devraient mettre les maps un peu plus grandes et un peu plus riches en ressources parce que, en fait, hier j'ai fait une game qui a duré presque 50 ou 60 minutes et à la fin il n'y avait plus rien en fait. Hein. On marchait qu'avec des moules, avec les. Comment ça s'appelle les. Avec les moulins et les fermes pour après faire du troc sur le marché. Mais ça revenait super cher parce que plus on trade avec le marché, plus les taux sont élevés en fait. Oh, d'accord. Je commence à fabriquer un peu plus de soldats, moi. Je
qu'il y a un accès par là. Graphiquement, après, je le trouve pas. Il y a déjà fait un fire, quoi. Et on voit qu'il y a une petite amélioration. C'est pas non plus. C'est dingue, mais moi ça me convient très bien. D'accord, ils ont déjà atteint l'installation. Je sais pas du tout comment on fait pour atteindre. Je pense que j'ai pas tardé. Il faut plus de nourriture. Hein. On va arriver vite, je sais pas s'il va nous faire passer à l'âge. Un peu ce qu'ils font mes confrères. Vous voyez mes soldats, moi, quelque part. Hein. Je joue beaucoup sur la santé et les premiers soldats là. Voilà un peu tout ça. Je connais la première. Faut vraiment faire beaucoup de soldats en vrai. Ouais, on va faire ça. Ouais. On va se mettre à l'aise, hein. On n'est pas d'utilité. Faire voilà.
pas fait d'armée, on voit qu'ils ont jamais joué avec les bots encore. Ils vont se faire lyncher. Ah, je vous le dis. Je vais pas l'aider, hein. Pas maintenant. Trop tôt. Bon, c'est un goût après. Le problème c'est que le mec il vient de m'enfermer en fait. Il vient de m'enfermer donc compliqué quoi. Soit la structure est pas mal parce qu'on va devoir je vais faire mon propre chemin en fait il suffit ouais, de protéger par ça, c'est ce qu'il a fait. Et moi il me faut absolument des portes quoi. Donc voilà quoi. On va créer un. Attends, je vais créer ça aussi. Là-bas. Je vais l'aider.
vide un peu. Ouais, j'ai commencé à la F3. Marché lui. Monastère, moi.
On sort pas trop mal. Thank you.
pas tarder à passer à la phase finale. C'est la catastrophe.
fait l'extermination là.
Pourquoi ils attaquent pas les autres, je comprends pas. Non, 3000, putain. Ah, cette chaise. Voilà. Oh, c'est la fin, là. Ah, c'est clairement la fin, là. La fin de chez fin. Ouais, c'est un ennemi. C'est gagné. Et voilà. C'est la win. Voilà. Donc, petite partie de Age of Empires en 45 minutes à peu près. Donc là, en mode intermédiaire, donc ça y est, je commence à maîtriser un peu la mode intermédiaire. Peut-être passer à autre chose. Un peu par rapport à... Et j'ai monté en flèche tout seul là, bien, puis après j'ai stagné un petit peu. Ok. Le premier. Ok, très bien. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne partie si vous jouez. Et abonnez-vous, pouce bleu, commentaire, on va partager tout ça ensemble et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, banzai!